C'est en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte le Bobo, la guéou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Vendredi 27 septembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans l'avant-dernier sortie journal La Gazette Créole pour ce maintenant. Mais maintenant, pour nous pas le développer dans le journal ça, président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc, fils, mandé ailleurs et jeudi après le parler sous tribune des Nations Unies pour communauté internationale là, mais commencer à réfléchir sur démarche pour transformer mission multinationale à Pioc Sécurité en Haïti en opération traditionnelle maintien de la paix Nations Unies. Option ça, t'a permettre de sécuriser et financement qui est stable et puis renforcer engagement état membre en faveur sécurité en Haïti d'après Edgar Leblanc fils qui soulignait en bien responsabilité par communauté internationale là dans le processus restauration de la paix et redressement économique et puis établissement démocratie en Haïti. Edgar Leblanc fils a fait qu'on ait échec pays en bien c'est traduit un échec collectif, une incapacité mondiale pour respecter plein et tout principe solidarité, justice à coopération international. Président conseil présidentiel transition yon l'autre bon exigé pendant le distribué des Nations Unies pour la France remettre pays d'Haïti et Corba l'été prendre en mail pour indépendance là yon pénalité injuste en bien quitté Kimbé nous a dit que tout fait économie sociale peuple noir ça pendant diverses générations d'après Edgar Leblanc fils. Président kenyan William Ruto, bon côté parle, côté pays, a dirigé mission multinationale là en Haïti, encouragé pendant des tribunes Nations Unies tout ailleurs état membre pour porter tout support ben pour permettre pays à en ben et pour permettre pays yo contribuer non et mission ça capable fait en dans pays à et ben garantir Kenya pral déployer contingent en plus dans l'idée pour arriver dans l'objectif 2500 membres souterrain en parlant dans pays Haïti d'ici janvier 2025. Caisse assistance sociale, à côté qui toujours gagné diverses cas corruption, cap dénoncé, lancé hier jeudi 26 septembre dans un atelier formation pendant deux jours en hôtel Caribé pour cas décision sous éthique, intégrité, atelier ça en bien c'est expert unité lutte contre corruption yo cap animé. Qu'on a tel organisé hier jeudi un atelier sous mise en œuvre signature électronique pour transformation numérique efficace en Haïti dans l'occasion célébration 55e anniversaire la journée vendredi 27 septembre en bien d'après directeur général Konatel là Joseph Jean-Baptiste bien objectif là c'est appliquer loi sous signature électronique là et puis sensibiliser acteurs concernés dans l'idée pour sécuriser transaction en ligne et c'est tout point ça nous va développer brancher n'a tonner. Présente au journal Sagan Benjo Pierre qui a fait manœuvre technique et pénémique à Céléon Kerr Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. Une autre fois, un gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier parti journal la conseil présidentiel transition en parlant des présidents Edgar Leblanc fils, bah, garanti à jeudi pendant le sous tribune Nations Unies dans 479e assemblée générale organisation en côté que pays a fait face avec une grave crise depuis quelques temps. Edgar Leblanc fils a souligné responsabilité communauté internationale là dans processus pour rythmer la paix redresse économique, établi démocratie en Haïti, li fait qu'on est échec pays, traduit un échec collectif, une incapacité mondiale pour respecter tout principe de solidarité, justice à coopération internationale. Edgar Leblanc fils. Je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif. Le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique,
j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à nouveau à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition déterminée à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce Conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire, restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divergences, les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous, la communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un état de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. À côté de déclaration, président conseil présidentiel transition Edgar Louis Bonfils a jeudi sous tribune Nations Unies pendant 79e Assemblée Générale organisation côté Edgar Louis Bonfils fait qu'on est payé là pour soutenir une grave crise liée là Edgar Louis Blanc yon l'autre bord mandé communauté internationale là pour commencer et faire bon genre chita parler dans l'idée de regarder comment capable transformer mission multinationale à pure sécurité qui en Haïti là en yon opération traditionnelle maintien de la paix Nations Unies ça c'est États-Unis qui mettait le sous table mais pour qu'on y a la autorité haïtienne yo accepter là mais option ça capable permettre sécuriser en fait un financement qui plus stable et puis renforcer engagement état membre yo en faveur sécurité en Haïti d'après Edgar Le Blanc-Fils en côté de l'autre fois. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national, d'aller travailler ou d'envoyer leurs enfants à l'école sans risque, notamment dans la région métropole de Port-au-Prince, la capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de lendemain meilleur.
L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain, permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des trois dernières décennies, notamment la MINUSTAH. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuites et de réparation pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Au top côté déclaration, Edgar Leblanc-Fils. Justement, concernant la mission internationale, la président kenyan William Ruto, côté pays, il a dirigé mission SAB, côté PAL, pendant le test aux tribunes des Nations Unies, hier jeudi, a encouragé l'État membre pour porter bon gens support pour permettre pays qui a contribué à envoyer troupes, faire ça, il a garanti Kenya pour déployer un contingent en plus dans l'idée pour arriver dans l'objectif 2500 membres dans le pays d'Haïti d'ici janvier 2025. William Ruto en bien fait ronge pour grand action sécurité dans la capitale haïtienne avec aide 382 policiers qui déjà déployés depuis environ 3 mois dans le pays. En côté William Ruto, président Kenya. Lors de la dernière session de l'Assemblée générale, j'ai annoncé le fait que le Kenya était prêt à mener à bien une mission de soutien multinationale en Haïti à la demande du gouvernement haïtien. Le Conseil de sécurité a donné son autorisation par le biais de la résolution 2699. Le Kenya a par la suite déployé 382 officiers de police spécialement formés pour cette mission. Il y a quelques jours seulement, j'ai eu la possibilité de me rendre en Haïti. Et j'ai observé moi-même le travail mené à bien par nos officiers et des progrès remarquables ont été accomplis sur le terrain. Nous apportons notre soutien à la police nationale en Haïti et cela nous a permis
nous a permis de pacifier les villes et les villages, de protéger les infrastructures critiques et de libérer de nombreuses communautés qui étaient jusqu'à présent sous le joug des gangs criminels. Je félicite également les dirigeants politiques de Haïti d'avoir forgé un accord et d'avoir élaboré une feuille de route extrêmement prometteuse pour organiser des élections libres, équitables et démocratiques. Nous sommes éternellement reconnaissants aux États-Unis, au Canada et aux autres membres qui ont apporté leur soutien financier et logistique. Ce soutien a été essentiel pour le déploiement de la mission. Néanmoins, le Kenya et d'autres pays des Caraïbes et du continent africain sont prêts à se déployer. Néanmoins, il y a un problème logistique, un manque d'équipement et de financement. Voilà pourquoi je lance un appel à tous les États membres. Je vous encourage vivement à faire preuve de solidarité envers la population en Haïti en apportant le soutien nécessaire, que ce soit directement en soutenant les pays qui contribuent à cette mission ou par le biais du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Je me dois de souligner néanmoins que le Kenya va déployer un contingent supplémentaire afin d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire avoir sur le terrain 2500 officiers de police d'ici au mois de janvier l'année prochaine. Les progrès accomplis jusqu'à présent en Haïti illustrent que ce qui semblait il y a quelque temps une mission impossible s'est transformé en une réalité que l'on ne peut nier. On a écouté déclaration du président Kenya William Ruto. Pendant l'intervention de ce tribunal des Nations Unies, toujours à jeudi, à président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc fils parlait de plusieurs sujets tant coup d'état pour la France et pour la France en effet Haïti bail pour te reconnaître indépendance li c'est une pénalité injuste en bien quitter Kembe dans coup économie et pays sur le plan économique et social pendant plusieurs générations d'après président CPTA qui exigeait et pour remettre comme ça et puis réparer pays d'Haïti. Haïti c'est seul pays qui était payé pour indépendance libre, pourtant il était joigné en bien sous champ dans bataille à l'approche bicentenaire et événement et ça un moment et doué arriver pour remettre en bien montant ça en bien la France te prend dans mes pays d'Haïti d'après question Edgar Leblanc fils a posé le fait qu'on est Haïti en bien et fait partie des Nations Unies pour la pour mettre campé mécanisme qui devait faciliter dialogue entre pays victimes yo ak ancienne puissance coloniale yo Edgar Leblanc fils. Excellences, mesdames et messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés
pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entremise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Nous avons porté déclaration Edgar Leblanc fils, diverses organisations qui défendent trois mondes dans NIP organisées avant et mercredi. Nous sommes devant le local à Paquet Miragua. Nous avons dénoncé la décision conseil municipal pour ne pas valider le choix de M. Gédéon Jean comme représentant secteur droit monde dans le conseil électoral provisoire. Là, Natacha Jean-Jacques. Plusieurs organisations droit monde dans le département NIP, tant qu'assistance droit citoyen et intégration jeunes professionnels, cause des femmes, OPNA, place au NIP à COSIDEN. Organisé en City le 25 septembre 2024 là, devant le local Parquet Miragua, non. Mouvement ça a fait l'objectif pour exiger conseil présidentiel transition 1, mettez dans l'islement conseil électoral provisoire, M. Gédéon Jean, qui était élu dans l'élection pour représenter le secteur ça. Serge Augustin, représentant organisation Douamoun, a dénoncé. L'autre militant Douamoun qui prend plaisir boycotter M. Gédéon Jean puisse passer 80 organisations de supporter. Serge Augustin. Un président Edgar Leblanc fils. Nous connaissons un qui honnête, crédible, qui fonctionnait dans la transparence. Côté Nabdil, après tout temps la boumé, Jodian, il faut qu'il est toujours battre pour sortir la tête route. Non sans ça, Jodian, élection ça, qui gagne 81 organisations qui élu M. Gédéon Jean, nation haïtienne, non. Diaspora, zéro fixé sous lit, si pas de transparence là, élection cabine là. Est-ce que conseil a fait élection? Est-ce que population a dans élection? Non, population a gagné doute, est-ce que vote a respecté? Pour pays a pas tomber dans le chaos, nous souhaitons que conseil présidentiel là, tendez la raison, publiez M. Gédéon Jean dans le conseil électoral là, et puis pour population satisfait. Plus loin, Serge Augustin à Calti Ferguson m'a dit CPTA pour publier rapide vite non mettre Gédéon Jean dans liste conseiller électoral pour capable permettre secteur à bien représenté. N'a souligné plusieurs responsables organisations droit monde accusé directeur PRNDDHA Pierre Espérance comme monde qui t'a bloqué publication non dirigeant centre analyse à recherche droit monde dans liste conseiller. Natacha Jacques département NIP Radio Vision 2000. Merci Natacha Jean-Jacques. L'autre nouvelle, gain Conatel qui organisait jeudi un atelier sous mise en œuvre signature électronique pour une transformation numérique efficace en Haïti dans l'occasion de célébration 55e anniversaire journée vendredi 27 septembre. Mais d'après le secteur général Conatel, l'âge Jean-Baptiste, objectif là, c'est appliquer le droit sous signature électronique, et puis sensibiliser acteurs concernés dans l'idée pour sécuriser les transactions en ligne. Jean-Baptiste. Vous connaissez depuis 2017, il y a une loi qui a été adoptée sur la signature électronique. Et traditionnellement, lorsqu'une transaction est faite, c'est sous papier que vous faites une signature. Et les signatures, ça, ils servent de preuve que c'est vous-même qui faites les actions. Mais au niveau électronique, vous pouvez faire les signatures aussi. Il n'y a aucune loi qui encadre. Les lois de 1917, ils mettaient le cadre pour les signatures électroniques. Mais il faut l'implémenter physiquement. Avoir la loi, c'est une chose, mais implémenter physiquement pour que les prestataires de services qui a fourni des codes pour sécuriser, pour authentifier, pour dire telle signature, c'est tel monde qui fait, nous devons corriger dans ça. Donc, atelier matin, hein, c'est un atelier qui visait pour franchir ce last mile, le dernier bout de ça qui peut mettre en place, c'est-à-dire mettre le cadre d'application de cette loi et ensuite faire venir des prestataires de services pour bail service de signature électronique là, il faut franchir et c'est ça
et ateliers à viser. Il y a une valeur pour sensibilisation. Tout le monde finit, que ce soit du côté de l'université, que ce soit du côté des notaires, que ce soit du côté des juges, magistrats, etc., des institutions d'État. Tout le monde intéressé, il y a une sensibilisation. Donc nous allons rassembler, nous allons collecter toutes les réactions des participants pour nous finaliser un rapport projet d'application arrêtée sur loi électronique là, pour nous présenter le gouvernement. Une fois que le gouvernement a adopté l'accord avec nous, eh bien qu'on y a, nous allons fixer les normes techniques. Donc pour nous définir prestataire de service qui parle de signature électronique, qui norme mieux de respecter. Après l'adoption des normes, eh bien ce sera l'appel d'offres ouvert marché pour qu'il y ait des prestataires de services qui parlent de signature électronique. Et qui parlent ouvert marché, qui parlent sécuriser les transactions électroniques, qui va permettre. Actuellement, Jean, ingénieur, directeur à Thématésie, hein, il y a des transactions électroniques internationales ou pas qu'à faire à partir des cartes de crédit haïtiennes. Parce que nous pouvons mettre en application, nous pouvons matérialiser, opérationnaliser la signature électronique. Mais une fois toute étape ça franchie, eh bien, Haïti a ouvert vraiment à toute transaction électronique, achat, vente en ligne, pas sécurisé parce que pas le bon cadre qui définit et pas le des prestataires de services autorisés par l'État pour vendre ces services.